Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons européens. Un peu le même cas que chez moi. Mais cette fois-ci, je vais le traiter. Allez, je vais vous montrer ça. Et après, il y aura une petite surprise. Il y a autre chose que je vais vous montrer, vous allez voir ça. Allez, je vais vous montrer le nid de frelons européens. Alors, dans le parfum, il y a à peu près à cet endroit, je vais essayer de me rapprocher un maximum. Allez, je recule, ça ventile, vous avez vu, ça ventile. Il fait chaud. Le ciel est un peu gris, mais il fait très lourd. Allez, je vais m'habiller, on va aller traiter ce nid de frelons européens. Et après, je vais vous montrer, j'ai entendu un bruit. Et après, je vais vous montrer autre chose, une petite surprise. D'accord? Allez, à tout de suite. Oh, oh. Allez, c'est parti pour le combat. Ah, mes jolies antennes sont là, mes antennes sont magnifiques. Ah, allez, on va aller voir ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, on va s'approcher. Ouais, ils ont fait un pas hike. Exactement pareil que chez Dédé. Sauf que cette fois-ci, ils sont passés par-dessous. Qu'est-ce que tu tiens à la bouche? Qu'est-ce que tu tiens à la bouche? Un bonbon Haribo ou quoi? Qu'est-ce que tu tiens à la bouche? N'oubliez pas, hein, après je vous montre autre chose. Donc restez là. Regardez comment il ventile l'entrée du nid. Donc on voit que le nid va jusque là. Allez, on va poudrer. On va essayer du monde. Allez, le monde est qui a quand même. Attaque un petit peu. Il y a du monde. Surprise, donc je vais récupérer notre GoPro. Regarde. Allez, c'est tranquille, on va s'éloigner. Vous allez voir que les frelons vont re-rentrer dans le nid. Voilà, petit à petit, il faut les laisser re-rentrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous montrer ce que je veux vous montrer et après, on reviendra voir. Qu'est-ce qu'ils font les frelons européens? Allez, c'est un peu loin là, il y a deux minutes, même pas une minute, deux minutes de marche. Ouh, il fait chaud. Et vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il va nous montrer? Vous voyez, en plus j'enlève pas la combi, donc il y a peut-être une raison. Allez, on continue.
Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, parce que moi ça va nickel. Il y a du boulot. Il y a moins de frelons que l'année dernière. On peut le dire aujourd'hui qu'on part sur une petite saison. Voilà. Donc ceux qui débutent dans le métier, bah, ils vont commencer par une petite saison. Hein. C'est pas toujours facile de débuter. Mais c'est comme ça, ils sont petits, les nids. Il y en a moins que d'habitude. Mais c'est comme ça. Tant mieux pour les clients. Allez. Bon, là, il va falloir que je traverse un petit buisson. Regardez. Regarde, mais il y a une échelle. Bon, il va traverser tout. Je vais poser la caméra. Il y a un nid de frelons asiatiques. Eh oui, il y a un nid de frelons asiatiques. Donc on va aller voir ça. La cliente a des frelons européens et des frelons asiatiques. Allez, on continue. Ouh, il fait chaud. Allez, on va s'approcher. Bon, il n'est pas très gros. Comme je vous ai dit, on est quand même en juillet. Normalement, les nids comme ça, ça doit être déjà beaucoup plus gros. Il n'est pas très gros. Le téléphone qui sonne. Voilà, ils sont plutôt cool, ils sont pas très agressifs. Allez, on va redescendre, récupérer tout ça, laisser agir. Voilà, vous avez vu deux nids pour le prix d'un, bien sûr. Je suis quand même correct, je vais pas facturer deux fois le nid que je suis là pour une fois. Vous avez vu, en plus, c'est le deuxième. J'ai mis un petit bout de poudre, ça m'a pas pris longtemps. Allez, on va ramener la poudreuse. Je vais revenir chercher l'échelle après. Allez. Allez, je vais vous laisser sur ces images. Là, il faut que je retourne la voiture. Je vais poser la poudreuse et les caméras. Je vais revenir récupérer l'échelle avec la combi pour être en sécurité. Et je vais tout plier. On va aller voir quand même les frelons, comme je vous l'avais promis. Et après, je vous dirai au revoir. Ouh, il fait chaud. Voilà, c'est la campagne, vous voyez, même en campagne, il y a du frelon asiatique. Hein. Il n'y a pas que dans la ville. Allez, on y arrive. Il n'y a presque plus personne. Se sont calmés. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont rentrés à l'intérieur? Tout est la question. En plus,
peux essayer de vérifier s'il y a du moins dedans. Ouais, ils sont là. Hein. Ils vont rentrer petit à petit, se faire avoir. Allez, je vais vous laisser les dédés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, j'adore lire les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt les dédés.